pas sûr de dormir ça là. Mon frère. Voilà, les gars, voilà. Je vais comme ça vous remercier pour votre effort. Moi, je danse. Toi, tu me poses la question, c'est quelle façon de danser ça? Ah, mais c'est la nouvelle danse, ça. Alors, comme ça, nous sommes bien libérés. Au point que tu vas me dégager, la cité, mes biens. Eh, en canao. C'est parce que tu me questionnes. Oh, Seigneur. Bah, nous sommes comme ça, au point que tu vas me dégager, normalement, nous sommes assis au place, les gars. Je dis qu'aujourd'hui, nous avons visité la soirée. Soirée Axel Mérine. Bon appétit de l'autre côté. Oui. Antana, on doit prendre Jamila, hein? Oui. D'accord, donc. Mais, j'ai dit, Antana. Donc, on Antana. DJ, c'est quand tu veux. Oui. C'est le pop spot. Oui, mais la pop spot, si tu veux bien. Vous êtes trop dans la caméra, la poussée. Eh, mon beau, là, c'est un ébuscanéza, hein? Le nez, là. C'est un ébuscanéza, hein? Ah. Ah, il y a eu peur, hein, le nez. Kimi, tu as bien regardé le nez? Parce qu'avant de prendre un homme, il faut bien regarder sa morphologie. On a déjà de grosses lèvres dans la famille. Avant encore un ébuscanéza? Ah, là, moi, je ne sais plus, hein? Le nez encore dessus, tu bouges. Ah, c'est, je donne conseil. On ne veut pas un ébuscanéza, hein? Le nez là, Antala, le nez là. Et puis quand il rapproche de la caméra, on dirait ceux qui font les clowns là. Ah, le nez là. Mais Antala, c'est un ébuscanéza. Ah oui, 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 oui. J'en ai vu de ses nez, mais non, un ébuscanéza comme tata, cela. C'est bon. Tata, c'est bon, Bantou. Ah. Maël, tu es sûr que tu as bien regardé le nez quand ça s'est rapproché? Tata, c'est bon. Ah. Bon, je vous préviens. Oui, c'est bon. Parce que les gens qui ont nez comme cela, là, eux, ils sont engagés. Hein. Eux, ils respirent l'amour. Tata, c'est bon. Antana en train de respirer l'amour pour Kimi. Il respire dans le nez. Maël, toi tu places tes plans de guerre avec tes oreilles en dirait un petit lapin effrayé dans la brousse. Là. Toi aussi tu as un oreillard. Mais Kimi même là, même, elle nous ramène des choses. Hein. Si ce n'est pas un oreillard de Maël, c'est un ébuscanéza. Je m'aimerais vous faire quoi? Ah, tata. Oh, mais ça ressemble à pour écureuil. Je sais plus. Marie-Michel. Hein? Donc, Maïla. Oui, tata Lolo. Faut vous expliquer. Quand Axel vient dans le live de Kimi, Kimi font. Axel, il mise. Donc, c'est infructueux. Oui, il est très fructueux. Ah bon? Oui, très. Ça, très fructueux. Il est très fructueux. Hein? Donc, Antana, lui, il parle, mais il ne mise pas. Bon. Antana, en tout cas, jusque-là, on n'a rien vu encore, mais... Je sais que Axel et sa team, on a trop vu. Il y en a trop. Axel, il Mais soutient non. beaucoup Kimi. Hier, yeah. On a reçu un monsieur du nom de Maël. Ah, Jamila. Jamila, tu allais où? Tu nous as ramené ici et quelqu'un. On a dansé quand moi-même, tous mes lolos me font mal. On a dansé ici, hein? On a reçu un DJ. Tu l'as vu? Jamila, tu as vu le DJ? Ah, vous n'avez qu'un problème. Dans les commentaires, là, vous n'avez qu'un problème. Oh. Hein? Merci, maman Mera. Jamila, tu nous entends ou pas? Merci, maman Mera. Tata Lolo. Jamila, quoi? Tata Lolo.
Oui. Là, actuellement, je reçois des cadeaux de la maman d'Axel, maman Mera. Pourquoi tout le monde est bloqué comme ça? Est-ce que c'est pas ma connexion? Aïe, aïe. Ça passe bien? Oui, on oui, t'entend. Alice, vous n'avez pas dit que dans votre tête, là, ça ne charge pas bien. Ok, Alice. Jamila. Eh, hey, c'est papa Mera. Je vais aller le coucher encore parce que. Après, là. C'est la parole d'Axel, en tout cas. Qui est parent d'Axel? Mais il paraît que les parents d'Axel aussi sont venus dans ce feuilleton. Oui, le papa d'Axel vient de me faire des cadeaux tout à l'heure. Ah! Oui, donc il est là. Il est là actuellement, il nous suit. Je les ai convoqués dans mon live. Ils viendront bientôt. On doit faire un tête-à-tête. Oui. Parce que Axel, lui, il a ramené tout son village. Je comprends pas. Mais Maïra, est-ce que les parents d'Axel sont au courant que M. Maël Won a fait des déclarations à Kimi hier, en plein live? Mais tout à l'heure, il s'amusait. Kimi, c'est sa sœur. Voilà. Kimi, c'est sa sœur. Non, c'est mon neveu, il a dit la vérité. Où est Melo? Toi, tu connais rien encore. Ce bonhomme est un élément dangereux pour votre série. Non, je sais qu'il est. Ce monsieur Maël est un élément dangereux. Non, je sais qu'il est devenu dangereux. Mais pour Kimi, là seulement, il s'amusait. Nous, c'est Métis, on veut. Il est fan de Kimi. Non, 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 c'est Métis, il veut. Métis, je veux. Ah. Mais il répète. Ce monsieur est en train de jouer avec vous. Non, c'est avec toi que j'ai joué, pas avec les autres. Maël, viens te lancer mes chaussures. À travers l'écran, ça va être compliqué, oui, non? Oui, ça va pas être compliqué, tu vas recevoir son rêve. Ok, j'attends de voir ça. Non, tu me fais pitié. D'abord, les oreilles sont en voie de disparition. Je vais pas en rajouter. Tata, pardon. Iska, tu n'as pas boire de l'eau, tu n'as pas pesé ton cœur un peu. Maël, toi et moi, on se connaît où? Mais on se connaît, tu es ma tante. Laisse-les. Marie-Michel, occupez-vous de Iska, s'il vous plaît. Merci. Ma maman, et puis, elle se connaissent très bien, elle et puis ma maman, c'est ma tante. Occupez-vous de ça, s'il vous plaît. Merci. Mera, merci pour les cadeaux, les vrais cadeaux. Ah. Oui? Ça, c'est cadeau TikTok. Qui est Mera, là? C'est le papa de Axel. Ah, c'est lui qui envoie cadeau, là? Oui, c'est lui. Mais le beau-père, le beau des beaux. J'ai pas bien vu les cadeaux. Aïcha, Toto, moi aussi, je n'ai pas vu des. Hé, hey, pardon. Toi qu'on est en train de parler entre grands, il faut attendre d'abord. Ah, là, ils sont en train de me convaincre de les prendre dans mon live. Pardon. Oui. On est en train de parler d'une histoire familiale. Ok. Donc là, c'est une histoire familiale. Quand le beau est en train de faire co-co-co, la belle, je suis là, c'est le vrai cadeau. Toi, tu viens parler de quoi? Mais moi, je suis le frère de Kimi, tata, toi aussi. Mon frère. Tu es fan de Kimi. Ah. Tu es un traître. Non. Ah. Non. C'est bon, je suis fatigué. Non, tu n'es pas fatigué. On doit te délivrer. Tu pensais que comme au début, j'étais en train de dire que oui, tu me moins, j'ai peur de toi, je n'allais pas parler. C'était pour t'attirer dans mon filet. Non, tu m'as dit que tu me réservais des choses, non? Je savais que j'allais faire ça, tata. Maël. Oui. Regarde-moi dans les yeux. Ouvre les yeux. Maël. Oui. Es-tu éperdument amoureux de Kimi Makoso? Regardez son nez, ça va gonfler. Ah,
à Lolo, non, à mon frère. Non, vous touchez à ma sensibilité. Pardon, ah. Arrêtez. Ah. Bon, on va plus toucher à ta sensibilité. Maëlle. Ça y est, vous m'avez fait complexer, je ne manque plus mon nez. Non, tu as un beau nez, toi aussi. C'est un nez légendaire. Toi aussi. Bon, reprenons. Ah, ils sont en train de mettre ici Papa Mera fort, lion. Ah, on dit Papa Mera, on veut un lion. Axel est monté ici, là, il m'a donné 3 lions. Hein. Axel m'a donné 3 lions. Ah bon? Et puis, Tata Mera, tu as vu ça? Nous deux, on n'a rien du tout. Hein? Je t'ai dit, mon enfant. Mais vous êtes des intrus. Allez-y, faire vos enfants comme Kimi. Donc, vous pensez que je vous appelais dans mon direct, c'était pourquoi? Vous pensez que je vous aime trop? Où sont les enfants de Kimi là? Moi j'ai mis mes enfants au monde. Je dois manger sur mes enfants. Oui, en Afrique c'est comme cela. Quand tu mets un enfant au monde, les gens d'enfants comme les Kimi, tu dois plus travailler. Les beaux parents doivent travailler sur toi. Hé hey, Mira, faut te taire. Actuellement je suis en train de travailler sur moi d'abord. Actuellement tu es mon ennemi. Oui. À cause d'argent. Tu as vu comment elle a retourné non. Ta mère? C'est oui. Pas à cause d'argent. Viens, ma fille. Ta là. Viens. On a pris gâter un enfant et de le vendre de sa mère, là. C'est pour oui. Sa mère. Mais une fois qu'il sort, c'est pour tout le monde. Kimi, là, c'est ma pour fille. Faut laisser ça. Il a trop souffert. Kimi a fait 11 mois dans le ventre. Quand elle est sortie, on n'avait même pas 5 francs pour lui payer un tricot. Donc, faut me laisser, ma fille. Là où je suis, ils sont en train de chercher l'argent. Quand moi, Tata Lolo, vous êtes en train de chercher l'argent, je ne connais plus personne. Je suis dans ma haute marmaille. Donc là, toi-même, Maïra, je te vois comme une sorcière. Mais toi-même, ta perruque que tu as portée là, si ce n'est pas bien peigné là, tu as regardé les films Ibo là. Les sorciers qui sont dans les films Ibo là. Tu ressembles un peu à ça. Djabi là-même là, les enfants qu'on initie. Tata, je suis de retour. On initie, là, elle est dedans. Maëlle même, il ressemble même à un chef de gang. Oui. C'est le cerveau. Lui, il parle sur nous et puis les autres seront faits. Donc là, vous êtes là. Vous êtes mes ennemis actuellement là. À cause des lions. Oui, ça c'est quoi? Tata. Quand ils sont en train de travailler, mes beaux sont en train de travailler sur moi. Hein? À l'instant T, donc, finalement, vous avez accepté. Non, je n'ai pas accepté. Parce que Toto je n'ai pas vu le lion. Toto Mera, faut même pas lui envoyer de cadeau. Hier, elle était en train de dire qu'elle ne veut pas. Papa, mon nom, peut laisser Maël. Papa Mera doit envoyer les cadeaux. Papa. Il y a longtemps, mais je sais que toi, là, tu es un esprit. Tu es le trex. Toto, là, elle dit tout ça pour te blaguer, pour que tu lui envoies des cadeaux. Hier, elle était là. Maïra, tu regardais le live dans les commentaires, n'est-ce pas? Elle n'était pas en train de dire qu'elle ne veut pas d'accès ni de Hanta, là. Moi. Et puis là, comme elle a vu le papa d'Axel, là, maintenant... Maëlle, tu demandais... Moi, qu'est-ce que j'ai dit hier? J'ai dit que... C'est les Béninois, non? J'ai dit que mais les Béninois sont des bons garçons. J'ai dit oui. Et toi? Quand une grande personne parle, tu te tais. Quand une grande personne parle, tais-toi. C'est moi qui dis la vérité. J'ai dit ici que les beaux parents, les Axel, sont des fructueux. Quand je regarde son papa, je sais que c'est un joli garçon, un fructueux, pas de pauvre lot, comme des quartiers PPTE. Il a dit même que Axel, c'est un ange. Moi, je n'ai jamais dit ça ici. Tu as dit que les tu as dit on dit c'est vrai. Mes abonnés, j'ai dit ça ici, non? J'ai dit que le jour où je vais croiser le papa de Axel, je vais l'honorer. Parce que c'est pas n'importe qui, quand même. C'est le beau-père. Non, pas encore le beau-père. Le beau-père en devenir. Mais pourquoi vous avez applaudi? C'est dit que je mens trop, quoi. Hein? Non, c'est parce qu'on est bien. On est vraiment contente. Et c'est ce que j'ai dit. On dit c'est vrai. Là, mes abonnés disent que c'est vrai. Oui. J'ai dit ici que hier. J'ai dit ici. T'as poté, atteignant les 2 millions de cœurs. J'ai dit que Axel est un enfant travailleur, un bosseur, un grand comédien et un artiste international. C'est pas les artistes PPTE. C'est ce que j'ai dit ici hier. Quand toi, Maëlle, tu voulais voler Kimi, j'ai crié oh, voleur, voleur, voleur de femmes. Tu as fui et tu es revenu. Parce que tu es un voleur de copines.
Tata, j'ai fui. Tu as fui. Hé, on ne dit pas une grande personne que la grande personne ment. Vous êtes des enfants, écoutez-moi. Tu dis la vérité, tata, c'est vrai. Ben oui. Comment ça? Tu vois pas que mes abonnés disent que c'est vrai? Tata, moi, je veux savoir. Donc, Maëlle veut Kimi. Parce que quand je suis venue au début de l'être, c'est ce que vous m'avez fait comprendre. Maëlle est en train de prévoir... S'il vous plaît, tata, Maïra, faut dans le tir. Oui, quand t'as pas la vie. Vous pouvez écouter Maïra, on dit les oiseaux de même plumage, ils mangent les mêmes graines de riz. Jamila, Jamila, mon bébé qui est assis ici là, il veut pas Kimi, il dit que c'est métier, il veut, on a déjà fait une réunion des familles dessus. Après, Maëlle a ses petits frères là, ils vont prendre Paris. Nous on a déjà partagé la famille Makoso. Est-ce que tu connais ton neveu? Après, il reste les jumelles de Tata Lolo. C'est là-bas que vous êtes arrivé. Toi, les Maïra, on m'avait dit que tu avais un esprit de sorcellerie. C'est maintenant que je comprends. On m'avait dit, Maël a dit que ma tante là a un esprit de sorcellerie.